Luc Rollens, vous allez présenter Gérimond dans le quintet de dimanche à Vincennes. Qu'avez-vous pensé de sa dernière sortie? Il n'a pas vraiment couru, il avait fait une faute en partant et Eric a dit contre ces chevaux-là, il voulait pas faire le tour, il a juste suivi derrière, là, il soufflait même pas les chevaux, il n'a pas débouché rien, quoi. D'accord. Il a fait un boulot, il disait qu'il était très bien. C'est pas dans ses habitudes de se montrer fautif comme ça. Ben, avec couru sans emmènement, il a mis la tête entre les jambes et il est parti sur le D'accord. temps de galop. D'accord. Maintenant, on va mettre l'enraînement, mais très long. D'accord. Il peut pas mettre sa tête entre les genoux. D'accord. Parce qu'avant, il n'y avait rien à lui reprocher. Il avait été malheureux en Non, Suède, il non, avait mais bien les chevaux, couru. il est bien. C'est vrai qu'il court beaucoup les dernières semaines, mais il a fait pas mal de courses où il n'a pas pu s'exprimer, qu'il est rentré sans avoir poussé dans ses réserves, quoi. Ouais. Même en Suède, Pierrot disait que... Il n'avait pas couru, qu'il avait couru au ralenti, quoi. Mais... Il est resté derrière un rideau de chevaux et... Hein. Donc, Donc, hein. là, il faut rendre 25 mètres, mais le lot est moins bon, quoi. Ah ben, devant, il y a des chevaux qui marchent 12 quand même, hein, plusieurs. Donc, c'est pas un cadeau de rendre 25 mètres à des chevaux qui marchent 12. Il y en a même qui ont marché... Début 12 sur la distance, donc ça veut dire que le deuxième poteau, s'ils font du train, doivent marcher 11. Hein. Mais... Le cheval est bien, il peut faire un très bon chrono. Hein. Il est capable de faire l'arrivée, mais c'est pas un cadeau de toute façon.